parce qu'elle finira par nous donner un autre président que Tshisekedi, qui était en lutte permanente avec Mobutu pour la direction du pays. Et c'est parce que Singh a été ministre de l'Intérieur que, comme conseiller, je lui avais indiqué qu'il y avait un homme de valeur, bien qu'économiste. On avait besoin à ce moment-là de nommer un premier commissaire quelque part. C'était à Likasi. Ce monsieur nommé premier commissaire à Likasi deviendra gouverneur dans toute la République. Dans toute la République. Et c'est la relation entre Singa et Mobutu qui mettra fin au calvaire des 13 députés exilé au Kassai. Et c'est ainsi que le Singh va forcer la main de Mobutu pour que son ancien ami et ancien co-gérant de l'association des étudiants à Lovanium, à savoir Tshisekedi, et ses 12 autres compagnons de lutte, à reprendre la vie commune, la vie politique. Et c'est peut-être cette occasion qui lui a été donnée de préparer notre futur président, alors qu'on n'y espérait pas. Singh a été très important pour Mobutu parce qu'il a aidé dans beaucoup de choses, notamment à améliorer la gestion des collectivités locales. Et c'est ainsi qu'il va proposer un texte de loi par lequel un chef coutumier à lui tout seul ne peut pas gérer sa collectivité s'il n'a pas de collaborateurs qui puissent l'aider au maximum. Et il va créer une commission qui va circuler dans toute la République, et c'est à moi qu'il va charger de cette mission, un avion à la disposition, 8 fonctionnaires, et nous avons fait le tour de la République pour qu'à chaque collectivité, nous puissions désigner, nous puissions proposer aux chefs coutumiers, enseignants, économistes, y compris les pêcheurs, pour que si le chef doit prendre une décision, il doit pouvoir consulter les villageois ou les habitants de sa collectivité qui puissent l'aider à mieux gérer la collectivité et moins d'égoïsme, moins de méchanceté. Singh a été un excellent collaborateur pour Mobutu, et de ce qu'il a fait pendant toute sa gestion provinciale, Mobutu l'a amené à Badolité, et c'est là où il a créé ce gouverneur provincial viendra créer la ville de Badolité. Singh a été un parent modèle parce que je ne m'attendais pas à ce que un jour nous puissions nous retrouver, lui et moi,
grand-père. Parce qu'entre-temps, sa fille a eu une fille et qui est devenue à son tour avocate, parce qu'il sait ce que c'est être avocat et un avocat de valeur. Et c'est celle-là qui va nous donner aujourd'hui une petite fille à nous deux. Malheureusement, cet enfant ne grandira pas, ne verra pas Tsinga grandir comme moi j'ai pu grandir sous l'impulsion et sous les ordres de Tsinga. Excellence, mesdames, messieurs, j'ai un certain âge, bien sûr, et j'ai travaillé pendant longtemps avec Tsinga. J'ai rarement vu des hommes politiques de notre pays rester aussi proches de leurs collaborateurs comme Tsinga l'a été pour moi. Je crois que pour ceux qui ont suivi la vie professionnelle de Tsinga, il est important que pour l'avenir de notre pays, que les ministres ne croient pas qu'ils sont au-dessus de leurs collaborateurs. Au contraire, l'amitié personnelle entre les chefs et les collaborateurs est un élément de développement important et de la réussite importante pour la gestion de nos ministères, de nos bureaux. Et j'encourage beaucoup de nos futurs ministres à prendre en considération la situation et la situation sociale et la situation intellectuelle et la situation professionnelle de leurs collaborateurs. J'ai dit merci infiniment de m'avoir entendu. Bâtonnier Mbune Leta, ametoka kutoa ushuhuda wa marehemu Gishimai. Permis d'inviter l'honorable Mboso, professeur Nadi, professeur Vundawe, en tant que membre du bureau politique du MPR, à bien vouloir déposer la gerbe de fleurs. Et nous insistons, s'il y a encore un autre membre du bureau politique du MPR ici présent dans la salle, qui veuille bien s'associer. Kiongozi speaker wa bunge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Mboso Pudia Kwanga analikwa kwenda kuacha taji lake la ua kwa kuweza kutoa heshima ya mwisho kwa marehemu Joseph Tsinga Uju, huyo mwenye aliweza kabisa kutumikia nchi muda mrefu, kwa kuona kwamba ni moja mwenye aliweza kabisa kuwa miaka mingi kuweza kutumika katika nchi yetu. Aliweza kuchukua madaraka ya juu zaidi sawa vile ndani ya nchi yetu kunako mwaka 1963 aliweza kuwa mshauri ama conseiller juridique. Pendant ce temps, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, le professeur Eberhard Kolongele, se prépare. Mkurugenzi wa ofisi ya rais Félix Antoine Tshisekedi Bwana Eberhard na vile vile atenda kuacha taji la ua kwa kuweza kutoa heshima ya mwisho kwa marehemu professeur Eberhard. Vient le tour du professeur Jean-Jacques Muyembe Kanfumu. Kisha yake ni bwana Jean-Jacques Muyembe Kanfumu
huyo mwenye mnajua kwamba yeye ndiye mwenye kuhusika na ma, na kuweza kupiganisha ugonjwa wa COVID. Donc ce sont aussi de la belle famille se prépare. Tajua kwamba marehemu aliweza kufariki tarehe 24 Februari mwaka huu hapa mjini Kinshasa. Belle famille suivi des petits enfants. Nous allons clôturer par la veuve. Aliweza kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Zaire kunako mwaka 1981 hadi 1982. Aliweza kuchukua madaraka mingi ndani ya kilo, les petits enfants, les enfants biologiques, tous au même moment, s'il vous plaît. Bwana Kinkei Mulumba aliweza kutoa shuhuda yake, aliweza kusema kwamba kweli marehemu aliweza kuwa vile vile kiongozi wa Union Générale des Etudiants du Congo, yani muungano mkuu ya wanafunzi wa Congo, IGEC kwa kifupi. Basi ni mmoja mwenye aliweza kuchukua madaraka mingi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, aliweza kuwa waziri mkuu wa nchi kunako mwaka 1981 hadi 1982. Aliweza kuwa moja ya waundaji wa chama MPR pamoja na bwana Justin Bomboko, pia HN Tshisekedi wa Mulumba. Basi ni aliweza kuwa vile vile waziri wa sheria kumwaka 1981. Les petits enfants et les beaux kilos. Pour moi, quand il faut Jatamia, ma commis sita na sita, aliza kwa waziru wa sheria, pia waziru wa mambo ya ndani. S'il vous plaît, veuillez avancer, avancez, s'il vous plaît. Mwaka 1969 alikuwa waziri wa usikani na mambo ya ndani. Vile vile aliweza kuwa waziri wa mpango pia majengo mwaka 1997, na akateuliwa sawa vile mteule wa taifa la Kongo kunako mwaka 2006 ndiye aliweza kuteuliwa sawa mteule ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mmoja mwenye aliweza kufanya mambo mingi na aliweza kuchukua madaraka mingi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani ni mingi zaidi yenye aliweza kufanya ndani ya nchi. Alikuwa memba wa kamati kuu ya MPR, pia waziri mkuu, pia kiongozi makamo wa kwanza wa chumba cha kamati kuu kunako mwaka 1977 hadi 1981. Alikuwa kiongozi mshauri alihusika na mambo ya sheria kunako mwaka 1986 hadi 1990. Alikuwa vile vile katibu wa chumba cha siasa ya MPR kunako mwaka 1990. Alikuwa kiongozi ausikaye na directoire provisoire ya MPR. Aliweza kufanya mambo mengi kabisa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana natoa heshima yenye kustahili. Ni moja mwenye aliweza kuzaliwa upande, aliweza kuzaliwa kunako mwaka 1934. Ni mzaliwa wa Grand Bandundu huko upande wa Mai Ndombe. Basi maushuhuda mingi imetoka kutolewa kwa ajili ya Le Patriarche Singa Uju, mwenye leo anaacha dunia mababu, udongo wa mababu. Na kutokana na mpango wa mazishi ya marehemu, mwili wake kesho siku ya tatu
mwili wake utaweza kutiwa ukungu, utaweza kuwa ibada ya sala kwa katedrali Notre Dame na Kitungu kabla ya mazishi kuweza kuendeshwa. Basi huko kutakuwa vile vile wakuu mbalimbali ndio wataweza kuwa upande wa katedrali kwa kuweza kuhudhuria katika ibada hiyo ya sala ya marehemu. Na mwili wa marehemu utaweza kupelekwa upande wa Semendwa Umai Ndombe juu ya kuweza kuongoza mazishi yake. Hapa Kinshasa leo ni wakuu mbalimbali ndiye wako wanafika kwa kuweza kumtolea heshima, kwa kuweza kutia mataji la maua familia, pia wenzie wenye aliweza kutumika nao pamoja, viongozi wa nchi wote wako wanapita kwa kuweza kutia taji la ua na kuweza kutolea heshima ya mwisho. Watoto wajukuu wakwe wote wako wanapita heshima ya mwisho. Kweli marehemu Singa Uju aliweza kufata majifunzo yake ku University ya Louvagnum, leo University de Kinshasa ndiye aliweza kufata majifunzo yake. Aliweza kupata diplome yake ya licence ya elimu ya haki ama droit Louvagnum, leo University ya Kinshasa, mwaka 1963. Basi aliweza kufata vile vile majifunzo ya filosofia ya teolojia kunako seminari kubwa ya Kabwe upande wa Kasai, na aliweza kabisa kuwa na ujuzi zaidi. Comme on a fini l'étape de dépôt de jambes de fleurs et la série de témoignages, maintenant le recueillement est libre en attendant l'arrivée du chef de l'État. La lecture de l'oraison funèbre et le mot des enfants se passeront en présence du président de la République. Maintenant, le recueillement est libre. Kabla rais wa jamhuri aweze kufika kwa kuweza kutoa heshima ya mwisho, kila mtu anaweza kwenda kwa kuweza kutoa heshima yake ya mwisho na kuweza kutia taji la ua kwa kungojea rais wa jamhuri aweze kufika kwa kuweza kumtolea heshima ya mwisho marehemu Joseph Singa Uju, mwenye aliweza kabisa kutumika mingi zaidi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaka 1991 hadi 1992. Alikuwa memba wa Conférence Nationale Souveraine CNS. Alikuwa pia vile vile mshauri wa jamhuri aliyechaguliwa kunako pia memba wa Haut Conseil ya République kunako bunge la mpito mwaka 1992 hadi 1994. Alors, veuillez bien porter vos masques, s'il vous plaît. Alikuwa pia kiongozi wa Nous sommes en train de faire des choses. 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 Nous
Ouvapenda kwa kumchimcha chinunga machitema ngumchitema nchitema. Investi comme chef coutumier, muteka munkwasa wa bumfumu wa kabukulu kaka mukurupma bamosh mu territoire wa Kutu province wa Bandu numchirumcha chinunu mchirumcha binunu bibijini isatu na kumba kunu shadikilese yeya ukafu mwenza mujimu mwenza wa bunkambwa mwenza kabijini wa mbula mataji nufamu ikala ni bana mulongu longu bikulu mulongu longu wetu edichala anyofu isha kabiki ababri vikala bajinga mwakumfwa mwakuluwa chafaka chafaka. Amis téléspectateurs de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, nous sommes dans le hall du Palais du Peuple où vous voyez plusieurs officiels, notamment le ministre sortant des relations avec le Parlement, qui est présent à ces moments lugubres pour pleurer celui qu'on appelle Joseph Singaoudjou, ancien premier commissaire d'État, actuellement premier ministre comme on l'appelle, ancien membre du bureau politique du Mouvement Populaire de la Révolution. Et tout à l'heure, vous avez suivi que ces anciens membres du bureau politique du MPR sont allés déposer une gerbe des fleurs. Ils étaient conduits par Christophe Mboso Kodiapwanga, qui lui aussi a été membre de ce bureau politique du Mouvement Populaire de la Révolution, parti État. À l'époque, c'était une institution qui avait primauté sur les institutions étatiques formelles. Donc je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'a été le MPR parti État, mais en tout cas c'était ce parti politique qui, auquel tous les Congolais appartenaient, et ils étaient depuis les seins de leur mère déjà membres du Mouvement Populaire de la Révolution, Lingao Lingate. C'est une histoire de la République démocratique du Congo, le Zaïre à l'époque, mais qui nous tient parce que ceux qui avaient animé à l'époque les institutions qui avaient fait partie de cette histoire de notre République sont encore vivants. Certains sont en train de partir, mais en tout cas c'est tout ça la République démocratique du Congo. C'est la somme de cette histoire qui explique notre présent aujourd'hui, et nous fièrement nous acceptons avec philosophie ce passé et devons travailler pour un avenir radieux. Voilà donc ici au Palais du Peuple, vous avez le président du bureau de l'Assemblée nationale, le premier ministre sortant Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le gouverneur de la ville, le président du bureau du Sénat, les ministres du gouvernement, plusieurs autorités se sont déplacées, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, nombreux sont venus pour s'incliner devant la mémoire de cette illustre personnalité. Je vous ai dit dans sa petite biographie, vous présentez les résumés de cette biographie, que Joseph Singaoudjou a été plusieurs fois ministre de la Justice et garde des Sceaux, et à ce titre, il a vu beaucoup de ce magistrat aujourd'hui au Conseil supérieur de la magistrature venir à la profession ou alors être recruté par l'État pour jouer ce rôle de ministère public. C'est donc une personnalité qui a imposé, dont la personnalité force le respect, raison pour laquelle la République a résolu de lui rendre des hommages, et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a tenu personnellement à être présent à ses obsèques. Je crois que vous avez retenu le témoignage du professeur Tréfon Kinkiemoulumba. Vous êtes rendu compte que Joseph Singaoudjou, même au dernier moment, aux derniers instants de sa vie, il voulait encore travailler, il voulait encore apporter de son expérience, de son savoir au bénéfice de la République. Il a été de ceux qui ont rencontré le président de la République dans le cadre des concertations, des consultations que le président a eu organisées, consultations desquelles ont découlé les décisions qui ont reconfiguré l'environnement politique aujourd'hui en République démocratique du Congo. Joseph Singaoudjou y était. Joseph Singaoudjou a été du groupe de notables du Bandundu qui ont rencontré le président de la République, et des échanges que le professeur Tréfon Kinkiemoulumba a voulu nous résumer ici dans son témoignage. Et vous avez bien donc compris que c'était un rapport de fils et de père. Joseph Singaoudjou était vice-ministre à l'intérieur, vice-ministre de l'intérieur, alors que Étienne Tshisekedi wa Mulumba, père de l'actuel président, était ministre de l'intérieur. Et en 1967, là c'était de 1965 à 1967, et en 1965, Joseph Singaoudjou était ministre de la Justice, alors que
Étienne Tshisekedi Mulumba était vice-ministre de la justice. C'est donc un duo des juristes qui a permis au gouvernement d'alors, des années de la fin de la décennie 60, de peaufiner, de structurer les institutions du mouvement populaire de la révolution avec la lumière du droit dont ils avaient la maîtrise. Étienne Tshisekedi, premier docteur en droit et de la République démocratique du Congo, on ne le dit jamais assez, on ne le dira jamais assez. Et Joseph Singaoudjou, l'un des premiers licenciés en droit de la République démocratique du Congo. C'est la conjugaison de ce savoir avec d'autres juristes qui a donné à la République l'architecture institutionnelle de ce moment-là. Dans l'histoire qui vous est racontée tout à l'heure de cette personnalité, on vous a dit aussi qu'il était premier ministre, même s'il n'a fait que à peine une année. Il a travaillé pour la République comme ministre de transport aussi, comme ministre de plan jusqu'à l'arrivée. Donc vous avez ensuite suivi les nombreux petits-fils et petites-filles de l'illustre disparu qui sont venus déposer leur gerbe de fleurs et beaucoup d'autres anonymes notamment. Vous avez suivi le modérateur dire que le recueillement est libre en ces instants. Chacun vient, il s'incline devant la mémoire de cette personnalité. Et en attendant que le président de la République arrive, selon ce que le protocole nous a dit, on attend donc que le premier d'entre les Congolais vienne déposer sa gerbe de fleurs pour exprimer la gratitude de la République à ce don de soi qu'a été Joseph Singaoudjou à la République. C'est une immense joie que d'avoir 87 ans consacré à l'érection d'un État dans la mesure du possible, autant que faire se pouvait. Il a donné le meilleur de lui-même. Vous vous êtes souvenu aussi de l'intervention du professeur Tryphon Kinkié quand Joseph Singaoudjou et son complice d'alors, Étienne Tshisekedi Mulumba, qui lui décide de faire partie de 13 parlementaires qui écrivent une lettre au maréchal Mobutu, lettre dans la suite de laquelle Louis Dépès a été né, mais aussi plusieurs supplices infligés à ceux qui en étaient les auteurs. Vous retenez donc que Joseph Singaoudjou avait lui estimé qu'on pouvait bien travailler pour le changement au sein des institutions, au sein du système, pour essayer de trouver des solutions aux différents problèmes qui s'est posé à l'époque. Vous vous souvenez aussi que dans les témoignages qui ont été donnés tout à l'heure par le bâtonnier Mbounelétang, juriste de formation, vous vous souvenez, Singaoudjou l'était, mais juriste qui a permis de laisser des traces dans notre arsenal judiciaire. Les conseils supérieurs de la magistrature peuvent donc se souvenir que beaucoup de notes circulaires visant l'amélioration ou l'amélioration de l'administration de la justice ont été faites par cette personnalité et dont les effets sont encore perceptibles aujourd'hui. Il n'est pas donc facile de laisser passer un tel savoir, une telle activité inaperçu et sous silence. Il fallait lui dire, il fallait témoigner de la tristesse qui doit caractériser ceux qui sont dans cette profession. Voilà donc les raisons multiples qui expliquent la présence de plusieurs personnalités. Vous les avez tous vus défiler devant les caméras de la RTNC, mais aussi beaucoup d'autres anonymes qui sont venus justement s'incliner devant la mémoire de Joseph Singaoudjou. Au regard du mouvement qui s'effectue autour de nous, vous ne le voyez certainement pas, mais des allées et venues des uns et des autres
Il semble donc que nous sommes en train d'approcher le moment M pour l'arrivée du chef de l'État. Nous fêtons savoir par les services du protocole, mesdames et messieurs, ici les notables du Maïndombé, nombreux sont arrivés pour rendre eux aussi hommage à Joseph Singaoudjou. Le Maïndombé est une province issue du découpement de l'ancien Bandundu. Épanoui et avoir accompli votre vie si vos frères et sœurs derrière ça n'avance pas. Si vos frères et sœurs souffrent, si vos frères et sœurs connaissent des difficultés, mais que toi dans ta vie personnelle ça avance, tu pourras pas dire que tu as réussi ta vie personnelle si tes frères et sœurs n'ont pas la même chose. La carrière politique dans la province du Maïndombé, c'était aussi par les encouragements de Jacques Massa, qui est un notable, qui était un notable de la province du Maïndombé. Il voulait faire de Singaoudjou son héritier politique et c'est ce qu'il fera. Il a pris son dauphin qui était la vie. Voilà, Joseph, je te laisse le pouvoir. C'est le Basakata, c'est toi qui prendras le pouvoir politique. Et à ce moment-là, Joseph était encore étudiant. Il était président général, le président de l'association générale des étudiants congolais, qu'on appelait l'AGEL. Et il terminait ses études de droit. On le nomme substitut du procureur général de la République à Lubumbashi. Je viens le voir. Je dis, monsieur Singa, Massa vous a laissé l'héritage politique. Si vous allez à Lubumbashi comme procureur de la République, quand est-ce que vous aurez le temps de faire la politique pour réellement remplacer Massa à chez le Massa dans le Maïdan? Il dit, mais qu'est-ce que moi je viens faire au Maïdan? Je n'ai aucune fonction, je n'ai pas de travail. À l'époque, moi j'étais secrétaire général adjoint de l'Assemblée générale, de l'Assemblée plutôt provinciale de la province du Maïdan. Je lui dis, venez au Maïndombé, il y a du travail. Et je suis allé trouver le président de l'Assemblée provinciale et le président, le gouverneur, qu'on appelait à ce moment-là le président provincial. Je lui dis, mais c'est un juriste valable, c'est un garçon de confiance. Nous le prenons comme conseiller juridique de la province. Donc il était conseiller juridique et de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial. Et nous devons évoluer ensemble à partir de ce moment-là en politique. Dans le parti politique qu'on appelait le Radico, avec Cyril Adoula comme président national. Et c'est là que nous sommes partis. Et de là, il a été élu député. Donc, j'ai commencé la politique avec lui depuis le départ. Organise le recensement général de la population. Et dote ses compatriotes d'une carte d'identification nationale. Je l'ai connu pas physiquement des contacts directs. J'ai suivi ce parcours comme chercheur. Il a été tout, hein, premier commissaire d'État, c'est-à-dire le premier ministre, ministre de la Justice, président du Conseil judiciaire. Il a été ministre du plan de la reconstruction nationale et même DG, directeur général de l'INSS. Moi aussi, je me suis retrouvé
directeur général de l'Office national d'identification de la population. Et voilà ce parcours. Mais j'ai eu quand même l'avantage ensuite de siéger avec lui comme député national en 2006. Nous avons été élus. C'est la première législature de la Troisième République. Voilà. Vous m'avez donné l'occasion il y a 2 ans, quand il fêtait ses 85 ans de naissance, de faire un petit témoignage. Je l'ai rencontré. Je me suis retrouvé dans son appartement sur l'avenue Ouvira. Nous avons échangé, voilà que 2 ans après, il nous quitte. Cette intervention, c'est aussi ma façon de lui rendre des hommages mérités. Vous voyez, directeur général de l'Office national d'identification de la population. Et l'identification de cette population, qui est une grande démocratie. Je retiens que, c'est vous, nous avons essayé de faire une démocratie, on est à fond dans l'esprit. Les voilà, vous m'avez donné l'occasion il y a 2 ans, quand il s'était fait 85 ans de naissance, de faire un petit émission. Je l'ai rencontré. Il avait pris les étudiants pour le terrain sur la nous avons dépendance par la poste d'identification de la population. Il faudra que les populations actuelles et de la République vient donc d'arriver ici au palais du peuple. Les motards vous indiquent donc que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tenait à s'incliner devant la mémoire de cette personnalité, est donc en train de faire son entrée ici au palais du peuple. Le temps pour lui d'entrer dans le hall, il va, comme l'indiquent les images que vous avez devant vos petits écrans, le cortège est en train d'entrer et le chef de l'État est aujourd'hui dans une voiture, contrairement aux habitudes aujourd'hui. Et président de l'Union africaine, le drapeau
de la République démocratique du Congo et celui de l'Union africaine flotte sur la voiture et qui amène le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au palais du peuple. Et le protocole a organisé une petite équipe d'accueil pour recevoir Monsieur le Président de la République et le conduire ainsi dans ce hall du palais du peuple où gît pour l'instant le corps de Joseph Singa Oudjou. La télévision nationale congolaise sera toujours présente pour que vous ne puissiez pas manquer des moments comme celui-ci où le chef de l'État, qui lui-même est le premier d'entre les Congolais, ne cesse de manifester ce côté solidarité africaine. Il est donc venu ici en cet endroit pour s'incliner lui aussi devant la mémoire de cette illustre personnalité. Mais comme le protocole l'a annoncé tout à l'heure, on attendait que l'arrivée du président de la République pour donc qu'il dépose sa jarre des fleurs. Et vous avez vu en passant toutes les personnalités présentes à ces lieux qui se sont levées pour dire salut au président de la République qui arrive en ces lieux lugubres où on pleure, où on regrette la disparition de cette bibliothèque qui a brûlé. L'histoire vous le rappellera, c'est toujours auprès de ces sages personnalités qu'on a l'habitude d'aller puiser les solutions devant les situations difficiles. Et la République démocratique du Congo, en cette période de l'histoire, a plus besoin de ses aînés, de ses hommes. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient donc de faire son entrée ici dans le hall du Palais du Peuple. Le chef de l'État et président de l'Union africaine entre donc pour s'incliner lui aussi et devient devant la mémoire de Singa Oudjou. Bodeka Bundji. Kuji mkalenga Joseph Singa Oudjou ni tujari kakabili bwase chikondu chivuye mwikala premier minani men anyi menulu tangle miande ya bandumbu la bilombo anyi ministre wa justice Etienne Tshisekedi wa mulumba ni kabena nyes uva mwikala chindonde cha Joseph Singa Oudjou boku njari kili bwase Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa ibo kumono mwa kuyikire ni bana bamufwa jiku jamufwa ja tatu Joseph Singa Oudjou ujumu kachi mwa jiba kumbula kumona kumushindu wako bakolesha kumwa ibuase lufu ndo abantu bonso bwalubwa na chesekedu wa mulumba wakaya bonso tuikala mamanya se kakwena nshia wakaji mana kuikala mshala wakaji muntu mkoli bilibikene wehebo wikala mamanya se nchinchi chikene mwa kwenza mwa kula machote wikala mamanya se tujinenu katuna makunu lekela walbo mujumuni no fubikala benza ku Joseph Singa Oudjou kawena makuye chanan ni mama ku kalamba kumbula Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fumo wa ditungu ya Congo Democratique ni fumo mulomboji wa Union Africaine wa ikuma na mshindo wa kusomba mwaba fumo mulongolela Astrid Okongo. Baba taifa, rais wa jamhuri Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekwisha kuingizana upande wa Palais du Peuple kwa kuweza kutoa heshima ya mwisho kwa marehemu Joseph Singa Oudjou. Huyo mwenye excellence monsieur le président de la république, en ce moment douloureux, en votre présence, nous allons suivre la lecture de l'oraison funèbre
qui sera lu par le vice-premier ministre, ministre du budget, et le mot des enfants. À présent, nous invitons le vice-premier ministre, ministre du budget, pour l'oraison funèbre. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Monsieur le Procureur général près cette Cour, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation et Monsieur le Procureur général près cette Cour, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État et Monsieur le Procureur général près ce Conseil, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire et Monsieur l'Auditeur militaire général près cette Haute Cour. Éminence, Monsieur le Cardinal, honorables députés, honorables sénateurs, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, Messieurs, Mesdames les ambassadeurs, et chef de mission diplomatique, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers membres de la famille de l'illustre disparu, permettez-moi d'abord de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, malgré ses multiples occupations d'État, a daigné rehausser de sa présence cet instant douloureux. Je remercie aussi, permettez-le-moi, le Premier ministre, le professeur Sylvestre Lungai Lunkamba, qui m'a donné l'occasion de présenter cette oraison funèbre en ces lieux et places pour honorer la mémoire d'un patriarche de chez moi, le Maïndombe, durement éprouvé. C'est avec une grande tristesse que nous sommes réunis aujourd'hui dans ces palais du peuple, temple de la démocratie, pour rendre nos derniers hommages à M. Joseph Tsinga Oudjou Ungwankebi Utube, ancien Premier ministre qui nous a quittés inopinément le 24 février dernier. Avec sa disparition, la République démocratique du Congo, notre pays, vient de perdre un digne fils qui a servi la nation avec compétence, charisme et dévouement aux différentes charges politiques qui lui ont été successivement confiées. Au nom du gouvernement de la République, je présente nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée de notre très cher patriote, un patriarche, vous le dire. Le 29 septembre 1934, en son temps, dans le Maïndombe, dans l'ancienne province
du Bandundo, Monsieur Joseph Ntsinga Oudjou Nguankebi Ntoubé, était licencié en droit de l'Université Lovanium de la promotion 1962-1963, après un brillant parcours qu'il avait fait passer par les grands séminaires où il a appris la théologie chrétienne, source de son humanisme. Très jeune, il n'avait pas hésité à répondre en 1966 à l'appel de la nation de servir en tant que ministre de la justice. Ce fut à peine 6 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance et 3 ans après ses études. Il exerça à nouveau avec brio la fonction de ministre de la justice en 1986 et en 1995. La qualité du travail et l'engagement patriotique de M. Joseph Ntsinga Oudjou Nguankebi Ntoubé lui ont valu une remarquable carrière politique longue de 55 ans, laquelle l'a amené à assumer notamment les charges de ministre de l'Intérieur en 1969, président délégué général de l'INSS devenu CNSS de 1975 à 1980, premier commissaire d'État, entendez premier ministre, d'avril 1981 à novembre 1982. Président du Conseil judiciaire de 1986 à 1990. Ministre des Transports et Communications de 1994 à 1995. Ministre du Plan et de la Reconstruction nationale en 1997. Je suis sûr de n'avoir tout dit, mais il a exercé plus que ça parce qu'il avait commencé dans le Maïndombe natal. Signe de son ancrage populaire, il fut élu député national en 2006 et rapporteur de la Commission permanente politique administrative et juridique, PAJ, au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, emporté par une mort naturelle, il laisse derrière lui une veuve, des orphelins et des petits-enfants. Ô mort, mort, qui es-tu? Toi qui n'arrêtes d'arracher à notre affection des êtres chers, toi qui ne te rassasies pas, aujourd'hui tu as arraché à notre affection notre patriarche Ntsinga Oudjou Nguankebi Ntoubé. Sigmund Freud disait, je cite, si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort. Cela veut dire qu'on ne peut pas aimer la vie et ignorer la mort. Car naître et mourir sont deux faces d'une même et seule réalité, l'essence de l'homme. Il n'y a donc pas de vie sans mort, tout comme il n'y a pas de mort sans vie au préalable. Louis-Antoine de Saint-Just d'ajouter, c'est lui qui se connaît vraiment n'aura aucun doute sur son essence immortelle. La mort n'est pas un anéantissement, mais elle est une porte d'entrée à une nouvelle vie auprès du Dieu créateur.
La mort rappelle à chacun de nous que la vie doit être vécue sur terre dans l'espérance d'une vie éternelle. Elle est aussi pour nous l'occasion de nous souvenir et de mettre en pratique les enseignements tirés de la vie de nos chers défunts. Sans cela, qu'ils auront été utiles à nous tous et à chacun de nous. L'engagement précoce de M. Joseph Tsinga Oudjou Nguankebi Ntoube au service de la nation et son riche cursus témoignent à suffisance pour les générations présentes et futures. Comme disait Corneille, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et que la voie qui conduit à l'honneur, à la dignité et à la reconnaissance collective demeure celle du travail bien fait, assidu et dédié au bien-être de tous. C'est ce que Papa Tsinga nous a enseigné tout au long de sa vie. Il ressort de divers témoignages recueillis pour sa vie professionnelle que l'illustre disparu a affiché notamment une grande rigueur dans la gestion de l'appareil judiciaire et un souci pour le suivi méticuleux des dossiers. Je me rappelle l'audience qu'il m'avait personnellement accordée en 1987 en qualité de président du conseil judiciaire, alors que moi j'étais attaché juridique à la Gécamine Exploitation sur le dossier de la parcelle de la Gécamine située à la 18e rue Alimété et menacée à l'époque de spoliation. Il m'avait dit, tant que je serai ministre de la Justice, un particulier ne ravira pas à l'État ni à ses sociétés un de leurs biens. Et ces biens étaient préservés. Malheureusement, plus tard, comme il n'était plus là, il a été spolié. Tsinga Oudjou a été l'initiateur de journées ouvertes de la justice à l'effet de recueillir les doléances des justiciables sur toute l'étendue du territoire national. Et il ouvrait lui-même sa porte pour recevoir les justiciables. Il s'était fait remarquer également par son implication personnelle dans l'amélioration des conditions de vie aussi bien en milieu de travail judiciaire que carcéraux. Très cher patriarche Tsinga Oudjou Nguankebi Ntoube, vous nous avez quittés, mais votre souvenir ne nous quittera pas. Il restera vivace dans les annales de l'histoire politique de notre pays et dans nos esprits. Nous restons convaincus que vos actions vont survivre à vous et que leur valeur républicaine portée et défendue à travers vos actes et pensées se transmettront des générations présentes à celles à venir. Il ne me reste que à demander aux ancêtres que leur terre vous soit douce et légère. Adieu, Papa Tsinga Oudjou Nguankebi Ntoube, je vous remercie.
Nous allons suivre à présent les mots des enfants de l'illustre disparu. Mon papa, mon héros, Joseph Nsinga, Mujou, Ongwakebi, Mtoube, Mkwangwe Okraloka, Mujou Nemba Moucho, Yung Pame. Papa, te rendre hommage devant cette illustre assemblée, spécialement devant le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un événement sans doute douloureux, mais en même temps c'est une fierté d'être descendant d'un homme aussi grand que toi. C'est une fierté d'être descendant d'un mari aimant, c'est une fierté d'être descendant d'un papa attentionné, fierté d'être descendant d'un grand-père drôle, en effet, papa était très drôle avec ses petits-enfants, fierté d'être descendant d'un oncle attachant, je pense que la grande famille qui est ici ne dira pas le contraire, fierté d'être descendant d'un homme d'État intègre, et fierté d'être descendant d'un patriarche rassembleur. Merci pour tout, cher papa. Merci de nous avoir appris à toujours chercher l'excellence, à éviter la médiocrité. Ça a été toujours le leitmotiv pendant que nous avons grandi. Il faut qu'on cherche à laisser des traces. Aujourd'hui, devant toute cette assemblée, je te promets que ton nom ne disparaîtra pas. On te l'a promis devant ton lit de mort et entouré de mes sœurs, je pense que tu ne regretteras pas. Aujourd'hui, tu es parti, mais ton souvenir restera toujours auprès de nous. Va en paix, homme de son temps. Mercredi, nous te ramènerons là où tu as toujours voulu être inhumé, auprès de tes parents. Merci. Voilà. Tant vous est. La lecture du CV de papa nous a fait découvrir un parcours riche en expériences et parsemé de grandes responsabilités. Ce que ce CV ne mentionne pas, c'est la dimension humaine de papa. Nous savions que c'était un grand homme, mais sa simplicité nous a peut-être fait oublier ce qu'il représentait pour le Congo. À la maison, il était simplement notre papa. Un papa aimant, avec un grand sens de l'humour, mais très exigeant. Il était une main de fer dans un gant de velours. Il attendait de nous l'excellence dans tous les domaines de nos vies, les études, nos carrières professionnelles, car il était important de laisser des traces positives partout où nous allions. Il disait en rigolant, « Ne soyez pas des gens dont le CV ne mentionne que la date de naissance et puis vient la mort. » L'aîné le mort le, comme il les appelait. C'était sa façon singulière d'illustrer un parcours sans grand impact sur la terre. Il disait souvent non à nos demandes, mais c'était pour voir si nous tenions réellement à ce que nous voulions et allions nous battre pour l'obtenir. Il insistait sur les valeurs d'intégrité, de loyauté, de dignité, de respect, des valeurs qu'il incarnait même dans les simples choses de la vie. Il nous a appris l'amour pour la grande famille et l'amour pour la patrie. Il était vrai et disait ce qu'il pensait sans détour. Lorsqu'il avait tort,
Non, il ne s'excusait pas comme la majorité de nos papas. Mais il trouvait les bons mots pour faire comprendre qu'il avait eu tort et essayer de réparer les choses. Papa était juste. Il tranchait en faveur de la personne lésée, quel que soit son âge ou sa position dans la famille. J'ai encore du mal à croire que tu es parti, papa. À mes yeux, tu restes un symbole de force, d'unité et d'amour. Enfant, je te voulais pour moi toute seule. Tu étais mon petit papounet. Avec le temps, et surtout depuis mon retour à Kinshasa, j'ai compris qu'avec la mission qui t'avait été confiée, tu ne pouvais pas être que mon papa. Tu es non seulement le père de nous, tes enfants biologiques, mais aussi celui des enfants de tes frères et sœurs, celui de la famille de maman, celui des enfants de ton clan, et même de ceux qui n'étaient pas de ton sang. Tous ces rôles, papa, tu les as joués avec tellement de finesse que chacun d'entre nous se sentait important et unique. Ton cœur, papa, ton cœur était suffisamment grand pour tous nous aimer, nous corriger avec fermeté. Je ne te cache pas que tu exagérais parfois. Tu étais un petit dictateur et tu l'assumais. Tu as touché tellement de vies, papa. Les hommages, les éloges ne tarissent pas. Tes fonctions politiques ne t'ont pas rendu inaccessible. Tu savais écouter sans juger. Tu savais corriger sans amoindrir. Naïvement, je t'ai cru immortel, tellement rien ne semblait t'ébranler. Tu étais notre pilier, celui qui trouvait des solutions à tout et qui s'occupait de tout et de tout le monde. Tu disais que tu devais être ainsi parce que tu étais le patriarche d'un clan de plus de 400 personnes. Je n'ai jamais perçu de favoritisme. Pour être dans tes bonnes grâces, il suffisait d'appliquer toutes ces valeurs que tu nous as inculquées. Très cher papa d'amour, tu as beaucoup souffert. Je pense qu'il était temps que tu ailles te reposer. Tu vas vraiment beaucoup nous manquer. Je t'aime, papa d'amour. Ne t'inquiète pas, papa. Nous veillons sur maman, ta tendre moitié, avec qui tu as partagé près de 59 ans de ta vie. Nous promettons qu'elle ne manquera jamais de rien, car au bois, je nous aime, après tout. Et ton nom, papa, ce nom de Singa ne disparaîtra pas, car nous marcherons dignement dans tes pas, prenant conscience de la lourde responsabilité de cette tâche. Repose-toi, notre papounet d'amour. Va rencontrer ton Créateur, car tu n'as pas à avoir honte de ton parcours sur Terre. Tu as achevé ta course et tu as remporté ton prix. Ta relève, elle est là et tu vivras pour toujours. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour cette partie, nous venons de terminer cette partie douloureuse. Nous demandons à l'assistance de se lever pour que le Président de la République rende les derniers hommages. Félix Antoine Seke Chilombo, Yohan Azali Kobondo, Nitema, Niali Bota, Ya Papa Joseph Nsinga, Mujo, Mwakebi, Utube, Okatia Libota, Molongani Waye Azali,
bana baye bazali bankoko baye bazali wana ne mokambe kolo azali kosola na bango Félix Antoine Tseke Chilombo na sima ya koyoka mela lolenge nazali koyebisa bino ngambo ya mbula matari ezali molanda ministre mokonzi ministre mokamisala ya budget Jabo de Mayo ndazwaki maloba ya bokaboli mpasi ya bokaboli mawa okombo ya mbula matari oeleko eye sango ya liwa ya papa Joseph Singa Uju eyokanaki mbula matari onzela mokambe kolo apesaki ningisa ya kolengela tango iso matanga makosalema kino bokunda miboye na ndenge ya lokumu talaka yango yo lelo epaka pinzoto aye ezali awa au palais du peuple pona kopesa ye lokumu ya suka talaka ministre mokonzi okati kola biso oeleko ya Zaïr na mobuko toko kama libwa tuku mwambela moko kino mobuko toko kama libwa tuku mwambela ibale le programme continue sika mokambe ko se poursuivre le dépôt de fleurs yewana selon kozonga kasi mululu modal kokoba natina ya bokiti simaboke mambe merci ko milulu ndenge na ndenge mie mikozala awa na bakambi la musique libota pe ba banso bazali koya kasi ya mutuya omobu koto ba na motoba papa Joseph Singa Uju mwankebi utumbe azalaka mokili mibeko oyo balubolaki kasi kaka mokili mibeko te kasi akambaki commission PAJ ya assemblée nationale na mobu koto bale na motoba azalaka kilo mobu mei ya azalaki kaka kosalela ekolo yowana sika mukunde boye walokumu lolenge mbula matari ebongisi makambo maso wivini jaka betu kwenda kwa mbote bibidi masulisa mbote sana lungu ya bubu yae kinzi ya kupesa mbote ya suka na kumi ya lialu ya ntama Joseph Singa Uju Utube yae yae mbonisa mkumi ya isi kwa mbote sike chilombo na kupesa ya bau mbote ni mbote ya suka mpe na kukitisa feti mwantima ya dibuta na kukona na bapu kukabula mpasi ya mfumu ya luyelu ya mtama ya isaka bisiri penzesa na kutombo ya lukumu ya isi na beto na kizi ya lungu mwuri ya ene munisa mwena ene ya nkento ya Joseph Singa mekusa munisa penza lukumu ya tete na ene vwana na kusana samu na kumunisa ya isi na beto na kwenye na tuwala ya mezi mana vena kubutula matundu na mfumu ya isi penu yalu na nyonso babe sala somo na kizi ya kusalisa bila mtini mwosi ya kukwana kana pina ndabu ya kaka mkaka tope nkaka mwana ya mwana ya kumu ya luyalu ya ntama Joseph Singa leo kusa kukuna pema tondo na kumulisa bizali kumu ya kaka na mbao kundaka usala bisalu watu wete badaka mbote Joseph Singa sababu bisalu mingi na ntamo ya mbutu tope ya kumu ya isi ya ntama mbutu siseko kisika wapi ya nyubaraka pimosi ya vimisaka kifuka ya MPR na usalaka kisalu mingi mbala mingi kumu ya isi mbuta luyalu tepite nasional pe provinsi wa mbuta kisalu mingi 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 pe mbuta luyalu sabu ya dika ito mwe ya nikola pimana ndimba editala ndika merci à Mathieu Moudibangou, merci à Vindiata, merci à Godé Kabundi, merci à Sido Congo pour ce moment passé ensemble en train de faire vivre aux Congolais ces derniers moments d'accord de Joseph Singa Uju sur cette terre des hommes. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a tenu à rendre hommage à cette personnalité. C'est donc fait il y a quelques minutes, le chef de l'État est reparti. Et nous, Télévision Nationale Congolaise, vous rassurons qu'à chaque fois que besoin en sera, nous serons toujours là pour vous faire vivre ces événements qui ont lieu en République démocratique du Congo. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et vous souhaiter un bon début d'après-midi.